I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. Bon matin! En fait, il n'est plus le matin, ben, ça dépend à quelle heure vous vous levez. Il est 11h55. J'étais affamée, fait que je me suis fait chauffer mon petit restant comme dîner. Oh mon Dieu! Depuis le début de la semaine, même la semaine passée, que je travaille sur le journal de gratitude et de réflexion de Novembre Boutique. Produit dont je suis trop fière, que j'adore, je suis tellement contente de cette idée. Genre, je trouve vraiment le fun, je suis fière de moi. Mais c'était long! C'est 365 questions sur, disais comme sur 12 thématiques, avec des questions d'introspection, des questions de gratitude, des questions de réflexion. Fait que c'était long, mes amis, là! Puis j'ai refait la mise en page comme deux fois, fait que là, c'est tout refaire au complet. Mais, j'ai terminé. Oh my God! Ben, je touche du bois, là. Je l'ai pas assemblé encore, j'ai pas vu qu'est-ce que ça donne encore imprimé. Mais, l'essentiel est fait. Il me reste les couvertures à faire, mais ça, ce sera pas très long. Oh mon Dieu, je suis fière! C'est vraiment un poids qui s'enlève de mes épaules parce que je veux pas... je veux lancer les produits bientôt. Là, quand vous allez voir ça... Ben, en fait, je l'ai annoncé ce matin quand est-ce que je vais sortir les produits de Novembre Boutique. Les nouveautés, je l'ai mis sur notre Instagram. Donc, je vais le faire en deux parties parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Il y a autant des rééditions, tu sais, des produits qui existaient déjà mais que j'ai refait au goût du jour. Même si ça faisait 25 ans qu'il existait, là. Mais j'avais besoin d'un refresh, autant des nouveaux modèles de produits qui existaient déjà qu'autant des nouveaux produits de A à Z, comme le journal de réflexion d'ailleurs. Mais il y a aussi d'autres nouveaux produits. Donc c'est ça, ça va être le 2 novembre la première partie et le 9 novembre la deuxième partie. Puis je vais faire des lives sur le compte de Novembre Boutique. C'est à 20h les deux. Donc si jamais ça vous intéresse d'être là, j'aime tout le temps ça. Comme ça, ben, on peut se jaser en même temps. C'est ça, je vais montrer comme tous les produits et tout. Mais c'est ça, je me suis comme mis un deadline là, parce que le temps file. Puis je veux pas sortir les produits trop tard parce que je sais... Il y en a qui commencent déjà à penser à Noël, puis tout ça. Puis je trouve que c'est des beaux cadeaux à faire ou à demander. Donc c'est ça, je voulais comme sortir ça le plus vite possible. Donc voilà, je suis bien contente ce matin, c'est un poids qui s'enlève de mes épaules. Ce matin d'ailleurs, c'était pas facile. Théo, il s'est levé quand même tôt, mais ça, ça m'a pas dérangée parce que ça fait comme plusieurs jours qu'il a comme pas beaucoup vu Sam. Fait que là, il l'a vu un peu ce matin parce qu'hier, il l'avait pas vu du tout, puis ça a été difficile de le coucher. Hier, d'ailleurs, j'ai pas vlogué, j'ai pris une petite journée de congé. Justement pour travailler sur le dit journal. Mais c'est ça, fait qu'il s'est levé comme vers 7h. Ce qui est quand même pas si tôt que ça, mais j'étais gros dure les derniers jours, il s'est levé à 8h. Mais je sais pas, il avait comme dans la tête, je pense qu'il pensait qu'on était à la fin de semaine peut-être, je sais pas. Mais il voulait absolument écouter la télé, mais là, moi je veux pas qu'il écoute la télé la semaine, là, genre, je go, là, on va à la garderie, puis pas de perte de temps. Fait que c'était la grosse crise. Il voulait pas s'habiller, il voulait garder son pyjama parce qu'il aimait son pyjama. Mais genre, je m'en suis rendu compte qu'il voulait le garder comme après que j'aille déjà enlevé son chandail. En tout cas, ça m'aurait pas dérangé de l'envoyer de même là, à la garderie, là, au pire. C'est pas la fin du monde, mais c'est ça. Il voulait garder son pyjama, fait que là, ça a été la crise quand je l'ai habillé. Après ça, il voulait écouter la télé, là, ça a été la crise pour partir. Finalement, j'ai mis genre... son coco melon sur mon sel, là, juste pour comme dire, gars, on va l'écouter, mais dans l'auto, sur mon téléphone. Mais là, après ça, quand j'ai fermé mon téléphone, bien évidemment que la crise a recommencé. C'est n'importe quoi, là. Ça a duré tellement longtemps, c'est pleurs, excusez, du bruit de téléphone. Mais c'est ça. Puis là, finalement, en arrivant à la garderie, il était comme... Puis il y avait les décorations d'Halloween, fait que ça a comme changé les idées. Puis une fois rentré dans la garderie, ça allait. Mais... ça arrive pas trop souvent, là, je suis quand même chanceuse, là, ça arrive pas trop souvent, mais ce matin c'était pas évident. Fait que c'est ça, j'en ai profité là, pour travailler vu que je me suis levée plus tôt. J'en ai profité, j'étais allée porter Théo un petit peu plus tôt là, parce que dernièrement il allait à la garderie à genre 9h, étant donné qu'il se levait plus tard. Là il est allé à 8h, fait que ça m'a permis de travailler vraiment tout ce matin, de clencher mes choses parce que là c'est ça, cet après-midi, ma grand-mère vient faire un tour chez nous. Puis présentement là, c'est vraiment sale la maison.
Mais pas sale, mais ça traîne. Fait que il y a bien des traîneries à ramasser. Ça s'accumule tellement vite, là. Puis c'est ça, hier, j'ai comme moins ramassé la maison. Fait que je vais payer le prix aujourd'hui. Fait que c'est ça, je vais comme ramasser et me préparer un peu. Là, j'ai mis mon nouveau chandail que j'ai reçu de temps de maternité. Là, je le trouve tellement beau. Je l'ai mis avec des petites jeans. Je le trouve trop beau. Puis tu sais, il va pouvoir faire aussi après ma grossesse. Tu sais, je le trouve vraiment confort, vraiment cute. J'aime le petit genre de col montant. En tout cas, je le trouve vraiment cute. Fait que voilà, il vient de RW & Co. Dans la section taille maternité, mais tu sais, honnêtement, il n'y a rien de ce chandail-là qui fait maternité en tant que tel. Il pourrait se porter pas enceinte. Mais je suis vraiment contente de l'avoir. Il est genre cosy, mais cute en même temps. Fait que c'est ça, là, moi, je vais manger mon repas qui est en train de devenir frette. Puis je vais vous reparler tantôt. Rendu 8 heures, je ne sais pas reparler de la journée. Oh well. Ouais, après vous avoir parlé, j'ai comme ramassé un peu la maison. Puis j'ai finalement terminé mon fameux journal. Oh, je suis tellement fière, là. J'ai fait 2 modèles, puis je les ai fait vraiment neutres parce que je veux pas que ce soit distrayant. Mais dans le fond, il va y avoir le modèle avoine. Ou le modèle grège. Donc, c'est les mêmes couleurs que nos livres de recettes en ce moment. Puis la reliure est au choix, là, soit noir ou embrossé. Je les trouve tellement beaux. Puis ils font autant, tu sais, filles que gars, je trouve. Là, ils sont très unisexes. Mais ils sont parfaits. Ils sont parfaits. C'est genre le même papier que nos agendas. Fait que ceux qui savent, savent. C'est genre un papier qui est incroyable. Vraiment doux. Fait que je me suis dit que j'allais vous le présenter parce que c'est genre mon bébé. J'ai travaillé là-dessus depuis tellement longtemps, je l'ai visualisé. Fait que c'est 365 jours de questions, 12 thèmes. Donc, comme par exemple, le premier, bon, c'est nouveau départ et résolution. Puis c'est vraiment de jour 1 à 365. Fait que, tu sais, vous pouvez le faire en continu ou bien arrêter, mais peu importe, ça donne quand même une idée de la progression. Puis il y a comme 2 questions par page. En lien avec la thématique ou non, là, si tu ne sais pas nécessairement taper sur le clou de la thématique, là, mais c'est vraiment pour réfléchir soit sur sa journée, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on aime, nos préférences, les défis qu'on a rencontrés, tout ça. C'est ça, pour vraiment juste pousser la réflexion. Puis c'est vraiment bon, tu sais, pour si, mettons, vous faites de l'anxiété, si vous souffrez, mettons, de dépression, tout ça, ça peut vraiment aider de faire un journal parce que justement, ça vient te forcer à réfléchir au bon côté, réfléchir plus que juste de rester en surface puis de se. Comment on dit ça? De se faire créer des remous? Ça, non. En tout cas, de se faire du sang d'encre. En tout cas, de stresser, de ruminer sur des choses. Fait que c'est ça, les thèmes, c'est nouveau départ et résolution, amour et relations, santé et bien-être, croissance personnelle, créativité et passion, nature et environnement, spiritualité et sagesse, aventure et voyage, apprentissage et éducation, rêve et objectifs, petit plaisir de la vie, et finalement, fin d'année et avenir. Donc, c'est ça, je trouve que c'est vraiment un beau livre à s'offrir pour le nouvel an ou à offrir à quelqu'un ou, tu sais, mettons, comme cadeau d'échange. Tu sais, des fois, on sait pas quoi acheter, qu'il fasse pas trop madame, tu sais, quand il y a des hommes dans l'échange ou peu importe. Ça fait autant pour un homme qu'une femme. Je pense que c'est vraiment bon de s'asseoir puis de réfléchir un petit peu. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être, tu sais, c'est 365 jours, mais c'est pas obligé d'être fait en continu. Puis, même moi, ce que je m'étais dit, c'est, tu sais, ça pourrait faire aussi des belles questions à échanger en couple, avec un partenaire, peu importe. Ça fait un beau cadeau d'hôtesse aussi. Donc, c'est ça. On a les deux modèles. Puis, je suis vraiment fière de ce que ça a donné. J'ai vraiment travaillé fort, mais je suis vraiment contente. C'est le genre de livre que je me procurerais. Parce que je trouve que ceux qui sont sur le marché,
Donc, tout le temps, une petite affaire. Soit que c'est trop spirituel, chose qui me rejoint moins, soit que c'est comme trop redondant. Fait que oui, c'est vraiment, tu sais, les questions, sont pas pareilles de page en page, là. Tu sais, oui, il y a des questions qui reviennent plus souvent. Mais tu sais, avec la thématique, je trouve ça le fun. Ça amène comme une autre vision à chaque mois. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce petit journal. C'est ce sur quoi j'ai travaillé depuis 4 jours. Et là, c'est terminé. Genre, je ne peux pas croire que j'ai terminé de travailler là-dessus. Là, il va me rester à tout imprimer les trucs, préparer les produits pour le lancement, prendre mes photos, arranger mon site web. Tout ça, je vais sûrement lui donner un aspect plus festif pour le temps des fêtes aussi. Fait que c'est ça. Il va falloir que je fasse ça dans les prochains jours, mais ça s'en vient bien. Là, il me reste deux produits que c'est à faire avec une nouvelle machine. Fait que je sais pas trop. J'espère que ça va bien aller. Mais c'est deux autres produits aussi qu'on n'a pas sur la boutique, là, qui sont pas de la papeterie d'ailleurs. Donc, c'est ça. Là, je vais faire le concours parce que je suis vraiment excitée. J'ai reçu ça, ça fait déjà plusieurs jours. Et c'est de la compagnie Adélia. Adélia, c'est elle qui fait les noms en tricot, là, tu sais, dans la chambre de Théodore, son nom en tricot. C'est elle qui fait ça. La petite lune, les étoiles aussi. Puis vous m'avez demandé souvent c'était quelle compagnie. C'est cette entreprise-là. Et là, elle m'a fait des petites surprises pour la chambre de bébé 2. Vous savez que c'est thématique océan, fond marin. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Je l'ai pas ouvert. Fait qu'on ouvre ça ensemble. Donc, voilà. Oh, c'est tellement beau! Fait qu'on a une petite encre comme ça. Ça, c'est la même couleur que dans la chambre de Théodore. Et coup de cœur pour la petite baleine. Avouez que c'est mignon. Fait que je vais pouvoir accrocher ça dans sa petite chambre. Ça fait juste une petite touche. Puis en plus, tu sais, je trouve que c'est vraiment comme feutré, là. Tu sais, ça rajoute une petite ambiance chaleureuse. Donc, un gros merci à Elsa qui est derrière l'entreprise Adélia. Donc, je vais laisser son Instagram dans la description. Je vous invite vraiment à aller vous abonner, à l'encourager. C'est dans le fun d'encourager les petites entreprises d'ici. Puis, elle vous offre de gagner un crédit de 30 $ dans sa boutique en ligne. Donc, ça peut être l'occasion de gâter, ben, de vous gâter, gâter vos enfants, peu importe. Mais c'est vraiment cute, je trouve. Moi, je trouve vraiment que ça ajoute une belle petite touche unique au décor. Donc, vraiment contente. Donc, pour participer, vous commencez à savoir. D'ailleurs, c'est l'avant-dernier concours du Vlogtube, je crois. À moins que j'oublie quelque chose. Mais je pense que c'est l'avant-dernier concours du Vlogtube. Donc, il faut être abonné à ma chaîne, laisser un thumbs up et me laisser un commentaire qui me dit qu'est-ce que vous aimeriez faire. Est-ce que vous aimeriez faire écrire un prénom, faire des petites décos comme ça, thématiques. Qu'est-ce que vous feriez si vous gagniez le crédit dans sa boutique? Puis, ben c'est ça. Moi, sur ça, je vais mettre fin au vlog, là. Je sais que c'est peut-être pas le vlog le plus palpitant du monde, mais c'est ça. C'était une journée de travail. Puis, j'ai passé du temps avec ma grand-mère aussi, le fait que j'ai pas nécessairement vlogué. Mais c'est ça. J'espère quand même que vous avez aimé passer ce petit temps-là avec moi aujourd'hui. Je vous remercie d'ailleurs d'être toujours là, fidèle au poste, après autant de jours. Écoutez, ça tire bientôt à sa fin. Je commence à avoir un petit peu épuisé les sujets. J'ai hâte de me reposer au mois de novembre. Je vais continuer de vlogger, mais tu sais, pas tous les jours. Puis après ça, je vais faire le Vlogmas. Je sais pas si je fais les 25 jours, tu sais, pas 25, mais 24, là. Il n'y a personne qui écoute des vlogs le jour de Noël. Mais les 24 jours, ou si je fais juste la semaine, je réfléchis à tout ça. Je ne sais pas encore là, qu'est-ce que je ferais parce que c'est sûr que ça fait beaucoup. Mais bon, je vous tiendrai au courant de toute façon de ma décision par rapport à Vlogmas. Mais c'est sûr que je vais faire un quelconque Vlogmas. Donc, vraiment contente de ça. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé le vlog d'aujourd'hui. Puis on va se revoir demain. Bye tout le monde!